Amen. Amen. Nous avons beaucoup de cas comme ça, que Dieu bénisse. Donc après, vous pouvez la voir, lui donner un petit soutien, l'aider. Voilà, pour qu'elle puisse prendre goût à la vie. Va t'asseoir. Vous voyez ce jeune homme aussi, le petit là. C'est la même chose, ses parents l'ont carrément abandonné ici. Nous sommes en train de tout faire pour que le papa le récupère. Mais dans ce genre de trucs comme ça, un enfant comme ça, s'il va, il ne sert plus en sécurité. Le papa est ici à Divo, ils l'ont envoyé, ça fait plus de quelques mois qu'il est là-bas. C'est moi qui prends ça en charge, sa nourriture et tout ça. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont besoin de vivre. Et nous avons beaucoup de charges. Il y a des personnes que nous prenons en charge comme ça. Pour dire, nous avons besoin que vous priez beaucoup pour nous. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez vu votre fils. J'ai fait de lui un évangéliste. Je vous ai dit, lui, il est le meilleur. Voilà, amen. Amen. On peut partir de la sorcellerie et puis ça peut être un passé pour nous. Amen. Amen. Ne pensez pas qu'un sorcier ne peut pas changer. C'est faux. C'est une ruse du diable. Amen. Amen. Jésus est venu pour les pécheurs. J'ai dit à leur papa, lui, j'ai fait de lui un homme. Quelqu'un de puissant. Amen. Jésus, quand vous regardez tous ceux qui marchaient avec Jésus, même ceux qui marchaient avec David dans la Bible, c'était des gens de mauvaise vie. C'était les faux types qui avaient pour ami David. Dieu va faire de lui un homme puissant. Amen. Amen. Satan sait pourquoi il est utilisé. Satan, il sait. Alléluia. Amen. Donc, si vous avez des sorciers, ne les tuez pas, envoyez-les. Non, on va les délivrer. Non, les délivrer. Eux aussi sont victimes. Quelqu'un, la nuit, comme ça, peut venir te donner la sorcellerie. Dans le quartier, un enfant peut venir te donner la sorcellerie. Ah non, il est sorcier, c'est fini. Donc, on dit, ah non, c'est fini, c'est sorcellerie. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de truc. Il faut tuer. Non. On n'achète pas ça à Sokosé. On peut délivrer de la sorcellerie. Si vous avez des cas de sorcellerie, ne les tuez pas. Envoyez-nous ces personnes, nous allons les délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser, je suis en train de les dire tard. C'est demain, je vais commencer à vous recevoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout à l'heure, comment ça se passe ? Ça se prépare dans la prière. Demain, l'action que je dois poser, là, il faut que la malédiction soit annulée. Amen. Ce que je suis en train de faire, pour que demain, si je te vois, je suis satisfait. J'ai apporté quelque chose à ta vie. Amen. C'est tout ce que je veux. Quand tu racontes un prophète, c'est comme une clé. Dieu doit m'expliquer des choses. Vous êtes ici, je parle à Dieu. Seigneur, il est ici, là, c'est pour quoi, il y a quoi? Qu'est-ce qui doit arriver? Pourquoi c'est bloqué? Il faut que Dieu me parle. Amen. Amen. Je ne peux pas venir faire du tourisme, c'est à dire. Amen. Il faut que Dieu vous bénisse. Donc, c'est un début. Amen. Ceux qui veulent apporter les dons, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez apporter vos offrandes là, par la grâce de Dieu. Demain à 9h, nous commençons nos cultes ici. Demain à 9h, s'il vous plaît, nous avons besoin d'ici 2 semaines, nous avons besoin de l'orgue ici. Il faudrait qu'on joue un peu. C'est intéressant. Un clavier de l'orgue. C'est pas cher, c'est 500 000 francs. On a donné aussi la sonorisation, un peu de sonorisation. Tous les vendredis, Zaroko, veillez. Tous les vendredis. Zaroko là-bas, c'est notre centre de délivrance. Ceux qui ont des cas de possession, de folie, tout ça, c'est Zaroko. Moi, je serai constamment là-bas le week-end pour les prix de délivrance. Ici, ça serait des moments de courte, de retraite, tout ça. Mais notre base, c'est de l'autre côté. Vous pouvez venir faire les offrandes. Voilà. Priez. Voici les prières. Basées sur le verset biblique. Ésaïe 54, verset 15, il dit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi sera sous ton pouvoir. » Amen. Donc c'est toi qui dois combattre et terrasser ton ennemi. Nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. La première prière, j'annule toute décision prise contre moi depuis le village par les sorciers au nom de Jésus. Cette fois, que toutes les méchancetés projetées contre moi retombent sur les envoyés au nom de Jésus. Cette fois, j'enlève et je brûle toute étiquette par laquelle les sorciers m'identifient au nom de Jésus cette fois. Et que les mêmes photos que les sorciers utilisent pour capturer ma vie soient brûlées au nom de Jésus parce qu'ils prennent quelque chose de toi pour avoir un contact avec toi. Elle-même lève ta tête. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Voilà. Il y a les sorciers ici, ils savent ce que j'en ai dit après. C'est comme ça. Amen. J'ordonne que les plaies qui ont déshonoré Pharaon, visite les sorciers qui retiennent ma vie au nom de Jésus. Amen. Fais la musique sept fois. Nous allons distribuer ça demain gratuitement. Amen. Amen. Okay. Et maintenant, à partir des minutes, ceux qui ont déjà des chiens, vous pouvez commencer à prier. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, pour ceux qui ont écouté, déjà dehors.